J'ai une place qui est demain à 11h45, c'est bon ? C'est bon. Ce monsieur a de la chance, il a son rendez-vous. J'anticipe. J'anticiperai, vu le nombre de points qui nous oblige à vérifier. Comme lui, mieux vaut s'y prendre à l'avance. Depuis quelques semaines, ce centre de contrôle technique est sous pression. Le planning affiche complet, mais le pire reste à venir. La plus grosse masse qu'on veut avoir, c'est fin avril, début mai. Parce que le problème, les personnes qui feront un contrôle, admettons, à partir du 20 avril, ils ont 2 mois pour faire leur contre-visite. S'ils viennent après le 20 mai, on passe sur la nouvelle réglementation. Et il faut refaire un contrôle complet, à leurs frais. Le contrôle sera plus cher, autour de 100 euros contre 85 aujourd'hui en moyenne. Ici, on estime qu'avec la nouvelle réglementation, il y aura 70% de contre-visite, contre 20% aujourd'hui. On passe de 453 défauts possibles à 606. C'est des points qui sont liés à la sécurité et à l'environnement. Donc c'est des points qui sont utiles à contrôler. Le centre a investi 18 000 euros dans ce nouveau banc de freinage, 9 000 euros dans cet appareil qui mesure la pollution. Pour les clients, la note pourrait aussi être salée. Pour les défauts dits critiques, il faudra en plus faire vite. Des pneus qui sont usés, des feux de stop qui ne marchent pas en totalité. Le client, il aura jusqu'au soir, minuit, pour faire sa contre-visite critique. C'est bon, zéro défaut. Pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut donc prendre les devants, comme ce client. J'ai fait la révision au mois de décembre. S'il y avait eu des défauts critiques, il me l'aurait dit. Il est tranquille pour 2 ans. Ça ne change pas.